Le directeur général de MedAfrica Adama Soumaoro a reçu, pour le compte du groupe SNED, deux prix lors d'une cérémonie de distinction qui a eu lieu à Casablanca, Maroc. Le groupe SNED a obtenu deux distinctions majeures lors de la célébration de la 10e édition du prix panafricain des leaders, PADEL, qui s'est tenu le vendredi 24 juin 2022, à Casablanca au Maroc. Il y a eu une cinquantaine de lauréats. Le Décigramme Adama Soumaoro reçoit lui aussi un prix Adama Soumaoro, directeur général de MedAfrica, entreprise filiale du groupe SNED, pour avoir été le premier artisan du programme de réhabilitation de centres de santé déployés en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée, a été élevé au rang de modèle africain d'artisan de développement. En tant qu'actuel Décigramme adjoint du groupe lauréat du double prix, en charge du pôle BTP, bâtiments et travaux publics, et immobiliers, Adama Soumaoro a aussi obtenu le super grand prix hors du mérite et de l'excellence pour la pertinence du programme de réhabilitation et d'équipement des centres de santé en Afrique occidentale. Il devient ainsi la deuxième personnalité la plus importante des primés du PADEL 2022. C'est une fierté et un honneur de recevoir ces prix panafricains. Il faut savoir, dans sa mission de valoriser l'excellence et récompenser les dirigeants africains du monde des affaires, du management ou de l'industrie, de même que les entreprises dont les réalisations ont un impact majeur auprès des populations et en faveur du développement, le prix panafricain des leaders, PADEL, n'a pas dérogé à sa tradition cette année 2022. Pour Adama Soumaoro, c'est une fierté et un honneur de recevoir ces prix panafricains. Cette double distinction me stimule personnellement à de nouveaux challenges de performance et engage MedAfrica, de même que le groupe SNED, à poursuivre ses efforts dans le maintien de la qualité de ses réalisations, tous secteurs confondus. Cette dynamique est naturellement en lien avec l'ambition du groupe d'être un champion national ivoirien et leader panafricain de référence. Lire aussi Divo, voici comment une pâtissière a maîtrisé son violeur en lui portant un coup de couteau à l'abdomen. Pour rappel, depuis 2018, MedAfrica conduit en Côte d'Ivoire le programme de réhabilitation de 8, émoticônes n'en croyant pas ses yeux, centres de santé, 3, centres hospitaliers régionaux, CHR, et 5, hôpitaux généraux, HG. À fin mars 2022, l'entreprise a livré la première phase des travaux de réhabilitation et d'équipement de 7 centres de santé, les CHR de Daloa, Yamoussoukro, Korogo et les HG de Grand Bassam, Adjamé, Yopougon, Atié et Abobo Nord. Ces réalisations ont permis l'accès aux soins de qualité à plus de 4 millions de personnes.